Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, nous sommes avec Anne. Coucou Anne. Coucou. Et on va essayer de faire des photos dans un endroit moche, a priori. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très très moche a priori. On se serait jamais arrêté là. Mais on va utiliser simplement le bout gris du mur. Voilà, pour faire des photos sympas. Donc c'est parti. Donc vas-y, colle-toi un peu au mur. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que... Vas-y, avance un peu. Donc si Anne, elle avance encore un peu. Voilà, là elle a le soleil sur son côté droit du visage et ça crée une lumière qui est plutôt dure, ça lui fait des ombres ici autour des yeux. Donc on va éviter ça, donc vas-y recule un peu, voilà, comme ça son visage, encore un tout petit peu, voilà, encore un peu, voilà, très bien. Donc là son visage il est entièrement à l'ombre, donc normalement la lumière sera très très bien. Quel regard. Vas-y, je vais faire un petit close-up. Voilà, nana. On en a pour 5 minutes. Du coup, on va faire un petit contre-jour, du coup. Voilà. Donc, ce sera tout simple et le fond sera relativement flou. Donc, tout ce qui est derrière, voiture, immeuble ou quoi que ce soit, normalement, ça devrait pas se retrouver sur la photo. Normalement. Ah, c'est stylé. Ah ouais. Ouais. En fait, là, quand vous faites un contre-jour, utilisez le live view. Parce que si vous mettez l'œil dans le viseur, vous êtes mort. Le soleil, c'est quand même une lumière qui est super forte et les dégâts sur la rétine sont irréversibles. Vas-y, quand je te dis, tu lèveras la tête. Vas-y, lève. Très bien. Peut-être juste... Vas-y, remets-toi là. Juste prendre un peu les mailles du haut. Vas-y, mets-toi là, ah tout simple. Le topless. Le topless. Oui, voilà, exactement. Regarde-moi. Cool. C'est bien. Vas-y, du coup, coupe. Bon, du coup, voilà, en fait, j'avais vu un mur qui était rouge assez sympa par là-bas. Et en fait, en se déplaçant, j'ai vu cette petite raie lumineuse ou raie d'ombre. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Et du coup, j'ai demandé à Anne qu'elle se mette en plein milieu. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, vas-y, enlève-toi, voir que les gens voient bien. Voilà, c'est cette raie qui parcourt les escaliers. Qui est juste là. Voilà, ça pourrait la sectionner en deux, la pauvre Anne. Et donc on va se servir de ça. Vas-y, regarde ici. Good, je vais essayer un truc. Vas-y. La tête un peu plus vers moi. Comme je vous l'ai dit, on fait des photos cool dans un endroit moche. Du coup, il y a des poubelles et... Voilà. Ouais, là c'est cool. Là c'est cool. Tu vois que c'est cool là ? Tu sais, la raie lumineuse qui passe juste là. Chut, nickel. Voilà. Regarde ici. Encore plus. Pète. Vas-y, viens là. Ça pète comme jamais. Du lourd. Mais dans la boîte, ça aussi. Tiens, fais-moi un petit. Allez. Non, ça va. C'est à l'époque quand tu sais, tu vois genre Prince of Persia ou Tomb Raider. Vas-y, bah vas-y. Non, viens voir de l'autre côté. Tiens-toi bien droite. Regarde ici. Bien. Bon, du coup, alors, on est venu utiliser le cinéma pour faire une petite photo à travers la vitre. Et à mon avis, ça va bien marcher voyant la lumière qui touche le visage de Anne. Je pense que ça va donner quelque chose de sympa. Regarde ici. Des cannes un peu par là. Si vous avez aimé, pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner si vous voulez apprendre à faire cette photo. Coucou, c'est moi. N'hésitez pas à cliquer ici pour télécharger gratuitement le livre de Chris. À bientôt.